être disponible à toute éventualité du gouvernement canadien pour être envoyé dans le pays ou à l'extérieur du pays dans un délai proche, c'est l'exercice Rafale Blanche. Exercice de brigade en utilisant les moyens canadiens, de la tenue jusqu'à l'armement, que deux pelotons du 4e régiment de chasseurs de Gap sont insérés dans le 12e régiment blindé de l'armée canadienne. Mettre... 3000 hommes sont déployés dans des conditions très réalistes. C'est tout Québec et ses environs où l'exercice est joué. Je suis extrêmement content de voir que les Français puissent s'adapter admirablement avec les Canadiens et que la cohésion au sein de l'escadron se fait d'une manière exceptionnelle. Je suis ravi de voir comment le contingent peut travailler sur le terrain et est capable de nous donner des ressources supplémentaires et une vision un peu peut-être différente des manières que nous employons nos forces sur le terrain. Les chasseurs du 4 sont acclimatés et connaissent les procédures canadiennes. Mais par des températures polaires, tout s'accélère. On a eu un de nos camarades qui s'est fait évacuer pour geler au pied parce qu'on a eu un jerrycan d'eau en fait, qui était légèrement troué, qui s'est vidé au qu'on continue. Et comme le sol est blanc, on ne voit pas très bien, mais en fait ça a fait une pellicule de glace tout le long. Et pendant la nuit, bah, tout le monde dormait, il avait les pieds au sol. Et en fait le matin quand il s'est réveillé et qu'il est descendu, et là il a été évacué, ça fait 3 jours qu'on ne l'a pas vu. Peu après, sur le renseignement du drone, l'ennemi est débusqué. On va les prendre par le flanc. C'est bon. Sur ma position, 4 ennemis décédés, 3 C7, 1 C6. Et les pelotons ont renforcé la compagnie parachutiste du 22e régiment canadien afin de s'emparer d'un objectif fortifié où l'ennemi les attendait en défensive. De nuit comme de jour, plusieurs scénarios sont joués. Et cela pendant une semaine. Rafale Blanche, c'est une expérience unique d'échange et de savoir-faire entre deux nations dans le domaine du combat en conditions de grand froid.